Je vous propose dans cette vidéo de faire très attention à la manière dont vous allez devoir prononcer ce texte. Il est très important que vous vous entraîniez sur chacun des textes à les lire. Ça ne s'improvise pas. Donc j'ai mis en vert pardon, les E qui doivent être prononcés. Vous savez qu'il y a la règle du E muet, ici ils vous sont signalés. J'ai signalé en soulignant les liaisons qu'il faut faire. Donc, je vous invite à lire ce texte très lentement, comme une partition, et à faire très attention à certains vers qui cumulent les difficultés. Donc, un vers comme le troisième, le ciel se ferme. Alors, à savoir, on évite, quand il y a un enjambement, de s'arrêter au vers. On ne dit pas le ciel se ferme lentement, ça n'a pas de sens. Donc c'est la syntaxe qui prime sur le découpage rythmique. Le rythme, on l'entendra de toute façon. Vous pouvez le faire ressortir, mais ce n'est pas en coupant et en faisant des pauses à chaque fin de vers. Le vers est suffisamment rythmé pour qu'il n'y ait pas besoin de faire ces coupures. Donc, quand la coupe vient d'elle-même, pas de problème, mais quand il y a une phrase qui se... Là, ici, vous avez ce qu'on appelle un contre-rejet, hein. Il apparaît ici, le ciel se ferme lentement, comme une grande alcôve. Une se ferme. Et l'homme, un pas sillant, se change en bête fauve. Alors ici, vous voyez qu'on ne prononce pas celui-ci parce qu'il est en quelque sorte contaminé par la syllabe qui suit, changeant, bête fauve. Donc ici, si vous comptez sur vos doigts, vous allez vous rendre compte que ça ne forme qu'une syllabe et que ça en forme une aussi, bête fauve. Voilà, vous ferez attention donc à tous ces mets. Je vous demande de vous entraîner et on fera un petit concours de celui qui le lit ou celle qui le lit le mieux. Vous voyez ici, par exemple, et cogne temps volant. C'est important de faire la liaison puisqu'il y a plein d'allitérations dans ce vers-là. Et cogne temps volant, les volets élevant. Donc là, si vous la ratez, l'allitération, vous avez des oreilles bouchées. Attention aussi à certaines diérèses ici, à travers les lueurs que tourmente le vent. La prostitution, ça fait 6, hein, ta, 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 la prostitution s'allume dans les rues. Alors le truc pour faire les E muets, c'est d'insister et d'allonger légèrement la voyelle d'avant, et pour que le E ne soit pas trop appuyé. Si je dis s'allume dans les rues, bof, si je dis s'allume dans les rues, ça passe mieux. J'allonge très légèrement. Et ça passe comme ça. Pas toujours, mais la plupart du temps, c'est ça. Attention aussi, certains E muets qui sont à l'intérieur des mots, comme ici, forcer doucement les portes et les caisses pour vivre quelques jours. Tiens, j'ai oublié le quelques jours, voilà, je le mets tout de suite. Et vêtir leur maîtresse. Là, vous voyez, dans le recueillement, recueille-toi, mon âme. Ça, c'est important de faire sentir que là, il y a un moment d'exaltation. Donc tout ça, ça passe par une lecture attentive de ce texte à l'oral. Donc je vous recommande de faire ce travail systématique sur chacun des poèmes, des repérages, des mais. C'est la base des bases, c'est des choses qu'on apprend à faire au collège, donc évidemment on attend de vous en première que vous sachiez les faire, bravo Jean. Donc voilà, vous vous entraînez, ça c'est votre tâche, c'est la tâche à faire. Et aussi, surtout, vous pouvez imprimer ce truc et le faire loin de l'écran. Allez vous promener en récitant vos textes. Ça, c'est le meilleur moyen d'avoir des citations à avoir pour le jour de l'examen. Voilà, monsieur, dame, à bientôt.